ваше превосходительство, ваше преосвященство. Ваше превосходительство, ваше преосвященство, мадам ла секретарь перпетуэль де l'Академии, всех вас приветствую знаменательной конференции. Надо сказать, что... А, excusez-moi, en fait, je voulais parler français. Mais étant donné que je ne sais pas toujours dans quelle langue je pense, j'ai commencé naturellement sur ma lancée en russe. À vrai dire, je me trouve dans une situation très particulière. Je voudrais souligner un des aspects de ma génération. Un certain nombre d'entre nous sont nés citoyens de l'Empire de Russie, sous passeport Nansen. Et c'est une identité que par notre éducation, nous avons toujours essayé de préserver, que nous avons cultivé. Et dans une certaine mesure, que nous avons essayé également de transmettre. La révolution, ou les révolutions, sont un élément de souci constant, de par la tragédie que nous avons vécue. Je dois ajouter que s'il faut évaluer cette tragédie, et bien entendu, et cela est repris par bon nombre de publications, même l'une des dernières consacrée à la chute de l'Empire russe par le petit-fils de Molotov, Vyacheslav Nikonov, c'est que, en réalité, on peut se demander quelle est l'utilité des révolutions. Les constats qui viennent d'être faits sont, à ce point de vue, me semble, éloquents. En réalité, la leçon que nous sommes toutes, nous devons retenir, c'est que ces révolutions, avec le temps, s'avèrent comme inutiles. En réalité, peut-être que l'un des principaux buts de l'histoire est l'économie des révolutions. En effet, les exposés brillants que nous avons entendus tout à l'heure montrent qu'une révolution aboutit à une terreur, et à une terreur toujours de plus en plus sanglante, à une forme de génocide. Et de ce point de vue, il faut retenir l'expérience française. Un ouvrage qui concerne surtout la France, bien entendu, d'un de nos collègues, c'est Reynald Secher, est intitulé « Mémoire et mémoricide ». Eh bien, c'est sur ces deux aspects que je voudrais retenir votre attention. Nous avons un culte de la mémoire et notre génération, celle de l'immigration, a essayé de faire le point dans le cadre de la Fédération des associations russes en France. Il s'agit de la FAR. Nous avons rédigé longuement un document qui, bien entendu, ne répond pas à toutes les attentes. Cependant,
il tient à souligner quelques aspects qui ont été brillamment évoqués tout à l'heure par tous. Mais le constat a commencé bien avant. Le constat a commencé dès les années 20. Et il a commencé grâce aux représentants, aux brillants représentants de l'armée blanche. Il faut leur rendre cet hommage. Il faut dire que cette petite communauté, parce qu'elle est petite par rapport, mettons, à tout l'Empire, il y avait une seule chose qui a compté vraiment. Ce n'est pas du tout l'aspect politique. En fait, c'était l'amour et l'avenir de la Russie. Ce sont des gens qui ont poussé au plus haut point leur esprit de sacrifice. Et les générations suivantes ont essayé d'assimiler les leçons. Et la conclusion de ces leçons me semble revenir à une personnalité éminente, une personnalité que nous connaissons tous, c'est l'écrivain Solzhenitsyn. Je me souviens, lors du premier voyage des grands écrivains soviétiques en France, j'ai rencontré l'écrivain Nekrassov. Et nous avons parlé de l'importance de la littérature russe. Et qui était en fait le grand représentant? Eh bien, Nekrassov m'a dit la chose suivante, et je crois que c'est un élément particulièrement important. Le premier d'entre nous, c'est Solzhenitsyn. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à avoir dit la vérité ou tenté de dire la vérité. Il y a aussi un autre élément. C'est qu'il est le premier à avoir tenté de passer au travers de son expérience intellectuelle, de sa perception de l'histoire, les débuts du XXe siècle. Cette œuvre est absolument fantastique, mais elle prouve qu'en réalité, chacun de nous doit avoir, par rapport à ces événements, une prise de conscience, une quête de la vérité, un souci de l'objectivité. Il ne s'agit pas de condamner. À quoi sert-il de condamner l'histoire? Il s'agit de tirer, et c'est ce que nous essayons de faire, de tirer des conclusions. Et parmi ces conclusions, bien entendu, l'un des premiers termes qui nous vient à l'esprit, c'est que tout d'abord, nous avons été victimes d'une trahison. Et il y a eu une publication française, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je m'en souviens depuis que je suis enfant. Elle est parue dans les années 20. Elle est due à un écrivain français qui a publié un constat qui s'appelle « Les alliés contre la Russie avant, pendant et après la guerre mondiale ». Actuellement, nous disons la première guerre mondiale. C'est paru aux éditions Delpech à la fin des années 20. Mais ce genre de constat, nous avons vécu avec, et il rentre
dans toute une suite d'autres perceptions. Alors, une des choses dont il faut se garder, c'est un esprit dans lequel nous avons vécu en France, dans une sorte de romantisme utopique de représentation des révolutions. En réalité, en prônant justement ces aspects utopiques, comme cela a été dit tout à l'heure, nous avons précipité une certaine déliquescence des esprits et également la difficulté de juger des événements et d'un regard, je dirais télésoué, sur l'histoire. Alors, il y a ce qui est nécessaire, c'est un esprit de justice. Et ce qui est indispensable, c'est de voir l'avenir, tenant compte de tout ce qui s'est passé, s'efforçant de le connaître au mieux, mais également s'efforçant de le dépasser. Alors, on a parlé, il y a différents termes russes que l'on emploie, qui sont extrêmement riches de contenu, mais avant tout, il y a deux aspects. Il y a une vision, en fait, une vision rédemptrice. Et également, c'est l'exemple que nous donne d'ailleurs l'Église, la nécessité d'une réconciliation. Il faut dire que l'avenir, sans doute, est dans la spiritualité que veut cultiver actuellement la Russie, soutenue par son Église. Et aussi, ce qui peut sembler paradoxal pour des États laïcs, d'un chef qui souligne son adhésion à l'Église. En réalité, des siècles ont passé, mais a-t-on trouvé quelque chose de supérieur à l'idéal prôné par les évangiles? Je ne crois pas. Je crois que, justement, c'est dans une vision chrétienne des choses que nous pouvons trouver, en fait, les solutions, la solution que nous cherchons. Alors, il y a une chose tout de même que je voudrais dire. Il est évident que la personnalité de certains chefs, mettons Lénine, dont on a beaucoup parlé, est incontournable. Cependant, il est indispensable, comme l'a tenté de faire Madame la secrétaire perpétuelle, de leur donner leur dimension réelle. En fait, si on s'exprime, ou si je tente, mettons, je préfère m'exprimer là, à mon titre personnel, comme je pense beaucoup sont d'accord avec nous. Nous attendons des signes. Il y a des signes qui viennent, mais sont-ils suffisants? Alors, j'ai vécu, donc nous avons beaucoup parlé de l'avenir de la Russie entre nous, et certains disaient, il est trop tôt. Mais, en fait, il est toujours trop tard. Ce que nous devons, à mon humble avis, c'est justement dans l'objectivité, d'œuvrer à une démystification
de ce qui a eu lieu. Car jusqu'à présent, nous sommes tout de même sous l'emprise d'un certain nombre de mythes. En vous remerciant de votre attention, que j'espère n'avoir pas retenu trop longtemps, je vous remercie et je remercie aussi les intervenants. J'ai regardé les titres, j'ai écouté ce qui a été dit et il me semble qu'à l'exemple de la maison de l'immigration russe, nous touchons les aspects les plus importants qui peuvent constituer un bilan qui est toujours temporel de ce que nous recherchons. Je vous remercie.